Bonsoir. Après le clochard de Beverly Hills avec un Nick Nolte pathétique dans le rôle de Boudu, c'est le deuxième remake de Boudu, sauvé des eaux de Renoir, lui-même adapté de la pièce de théâtre de René Fauchois. Voici donc Boudu de Gérard Jugnot, un divertissement sympathique qui ne prétend aucunement rivaliser avec l'œuvre de Renoir. Christian Lespinglet Jugnot, égal à lui-même, galeriste surendetté, sauve un SDF qui tentait de se noyer dans le canal. Le SDF, c'est Boudu, un Gérard Depardieu en roue libre. Lespinglet le ramène chez lui, pour quelques heures seulement croit-il, sauf que Boudu s'installe et se vautre dans sa vie. Le film est ensoleillé, toiletté aux couleurs de la Provence et suit tranquillement son propre chemin. Chemin qui n'a pas grand-chose à voir avec le Boudu caustique, radical et sans rédemption de Renoir. Autre époque, autre mœurs. Ici, Depardieu est un personnage de pique-assiette désinvolte, pépère, mou du genou, qui n'a aucun rapport avec le clochard dionysiaque, anarchiste et iconoclaste qu'incarnait Michel Simon en 1932. Jugnot fait comme souvent une gentille comédie populaire, sympathique, où les bons sentiments ont remplacé la provoque et qui ravira papa, maman, mémé, les enfants, Médor et Antoine, le petit cheval. Bonne soirée.